Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième partie de ma vidéo. Voilà, là je vais faire un plat et un dessert. Là je vais faire un gratin dauphinois. Là j'ai des pommes de terre coupées fines, plus l'ail, du beurre, du sel et du poivre. Crème liquide et noix de muscade et du lait. Voilà, là je vais faire moitié crème et moitié lait. Voilà, je verse ma crème. Voilà. Là j'ai fait juste un gratin. Et ensuite, vous l'accompagnez avec de la dinde, un gigot, un roast beef, je vous laisse le choix. Je rajoute le lait. Après, si vous voulez commencer par les pommes de terre et de couvrir les pommes de terre, moitié crème, moitié lait. Voilà. Voilà, je vais couper une gousse d'ail. Après, si vous préférez de frotter votre plat avec une gousse d'ail, c'est la même chose. Je rajoute du beurre et je rajoute mes pommes de terre. Voilà. Du sel et du poivre. Et je rajoute noix de muscade. Voilà. Et vous laissez cuire la moitié. Il ne faut pas cuire la pomme de terre à 100%. 50%. Voilà. Voilà comme vous voyez. On le laisse cuire 50%. Pas à 100%. Ça va finir au four. Et ensuite, on les place au four, on les laisse gratiner. Voilà. Et là, je vais passer au gâteau. Le dessert. Là, j'ai des œufs. J'en ai 6. De la vanille. Un sachet de levure chimique. 60 g de lait, 55 g d'huile, plus du sucre et de la farine. Voilà, on va casser les œufs, on va séparer les blancs et les jaunes. Voilà, je mélange. Voilà, on mélange bien. Voilà. Je rajoute 80 g de sucre dans les blancs. Voilà.
Voilà, on les rajoute au blanc. Voilà. On les rajoute à fur et à mesure. Il faut y aller doucement. Voilà, on mélange. Voilà. On mélange à peu près 1 à 2 minutes. Là, je prends les jaunes. Voilà, on mélange bien. Et je rajoute 40 grammes de sucre. Voilà, 40 grammes. Alors, on a mis 80 grammes de sucre dans les blancs et 40 grammes de sucre dans les jaunes. Voilà. Et on mélange encore 1 à 2 minutes. Je rajoute l'huile. Là, j'ai 55 grammes d'huile. Voilà, très bien. On rajoute le lait. De la vanille. Voilà, là, je vais rajouter 90 grammes de farine. 90. Et 8 grammes de levure chimique. Voilà, là j'ai 8 grammes. Je mélange et je verse le tout dans la préparation. Je mélange
Voilà, et on met le blanc d'œuf dans la deuxième préparation. Voilà, je mélange, je fais ce mouvement, comme ça les blancs d'œufs ça tombe pas. On fait comme ça des ronds. Voilà. Voilà, je prends un plateau qui va au four. Je prends papier cuisson, comme ça colle pas. Le plateau est fait 40 cm sur 40. Voilà. Je mets un peu d'huile sur le papier cuisson. Comme ça va nous faciliter le démoulage tout à l'heure. On verse la préparation dans le plateau, pardon. Là, j'ai déjà allumé le four à 160 degrés. Voilà, et on le met au four à 160 degrés pendant 20 minutes. Là, on va préparer la crème. Là, j'ai un verre de poudre de chantilly plus un verre d'eau bien froide. Voilà, je verse l'eau plus la poudre chantilly. Et là, je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe de cacao. Voilà, je précise, l'eau, il faut que ça soit bien froide. Voilà, là je vais couper les rebords, comme ça soit net.
j'étale la crème sur ma génoise. Voilà, on met un peu partout. Là, je vais couper des bandes de 5 cm, pardon. Et après, ça dépend la hauteur que vous voulez. Voilà. Moi, là, je vais faire des bandes de 5 cm. Je coupe mes bandes, voilà, et je commence à rouler. Voilà, je prends la première bande, je roule, voilà, la deuxième, je la colle à la première. Voilà, je vous laisse regarder. Après, ça dépend la décoration, je vous laisse le choix. Moi, j'ai fait tout simple. Voilà, je vous laisse regarder.
je mets la crème autour. Et après, si vous voulez fondre le chocolat, vous le mettez sur les côtés. Et je rajoute les amandes effilées. Voilà, la génoise. Si vous ne voulez pas couper comme ça des bandes, vous pouvez, votre génoise, de la rouler comme ça, ça va faire une bûche. Voilà, au lieu de couper des bandes de 5 cm. Voilà, après, si vous voulez laisser comme ça ou de rajouter quelques fruits dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai le reste de crème. Là, je vais le mettre dans la poche à douille et je vais faire des rosaces comme ça, comme vous voyez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi tout au long de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Madame Kina, vous pouvez vous dire que vous avez vu la vidéo.